Salam alaikum Azoul, bonsoir. Mort pour une Algérie libre, ou plutôt pour une Algérie libérée, vraiment libérée. Ali Msili, Matoub Louennes, Mohamed Bouzyaf, trois grandes figures algériennes qui ont entrepris de tout faire, tout, pour que la révolution algérienne retrouve son cours naturel, celui d'où elle avait été dévoyée par un régime qui avait volé l'indépendance du pays et qui avait fini par précipiter le pays tout entier dans la pire situation qui puisse s'imaginer. Les trois ont été assassinés par un régime qui ne craint ni de liquider quiconque se met en travers de son chemin, ni de jouer aux pleureuses dans les grandioses funérailles de ses victimes. Pour le cas de Bouzyaf, les principaux commanditaires de son assassinat lui ont rendu eux-mêmes un hommage très solennel. Et n'ont pas lésiné sur les moyens, non seulement pour saluer sa mémoire, mais aussi pour capitaliser son assassinat contre leurs propres ennemis et pour leur propre prospérité, j'allais dire. Trois assassinats de grands Algériens qui avaient sur leur pays bien-aimé, la vision généreuse d'un peuple enfin libéré de ses entraves, de ses chaîne, libérée du régime parasite, vampire, qui se sustente de son énergie et qui oblitère ses valeurs. Trois hommes qui n'ont laissé aucun choix au régime qu'ils combattaient, si ce n'est leur liquidation. Ils ont donc été assassinés, et pour le cas de Ali Msili, avec la complicité très active de certains milieux français. Vous aurez remarqué que je ne dis pas de la France, de certains milieux français. Pour le cas de Bouzyaf et de Matoub, avec la connivence avérée de certains médias et malheureusement de certains milieux de l'intelligentsia et de l'opposition algérienne. Nous avons voulu consacrer cette émission d'hommage à ces trois figures particulièrement aimées des Algériens, parce que les anniversaires de leur assassinat, celui de Bouzyaf et de Matoub, sont à quelques jours d'intervalle. Si Mohamed, Rabbi Yerhamou, est mort le 25 juin, et Louennes, Rabbi Yerhamou, le 29 juin. Et il s'est trouvé, je ne sais si c'est un hasard, que le livre de Hussein Aït Ahmed sur l'affaire Messili a été réédité le 29 juin. C'est pour ça que nous les avons mis ensemble pour parler d'eux. Donc aujourd'hui, avec nous pour en parler, Hassan Loussef, qui est avec là, mon ami Hassan Loussef. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci à vous, Sidi Jamaldine, pour l'invitation. Et puis, Sahaïd Goum, ou Sahaïd, l'équipe El Maghribia, et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et c'est le mec, je rappelle que vous êtes militant des droits de l'homme. Oui. Vous militez pour tous les droits de tous les hommes, et particulièrement de ceux des nôtres. C'est ce que nous ont appris Ali Messili et Si Bouzyaf ou Matoub Louennes. Très bien. Et nous aurons avec nous par Skype, je crois, si ce n'est par téléphone, Malika Matoub, sœur de Louennes Matoub, qui sera avec nous depuis l'Algérie. Nasser Bouzyaf, fils de Mohamed Bouzyaf, qui sera aussi avec nous depuis l'Algérie. Et Sofiane Schwitter, juriste en justice transitionnelle, qui sera avec nous depuis le Canada. Hassan Loussef, donc d'abord, la réédition de ce livre, Hussein Aït Ahmed, l'affaire Messili. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? D'abord, pour l'histoire de la réédition. C'est que l'idée de rééditer le livre à l'occasion du centenaire de l'assassinat d'Ali Msili
a été a émergé lors de la réunion que nous avons tenue à Jussieu sur justement l'assassinat de l'affaire Messili, pour lui rendre hommage il y a de cela une année. À cette réunion, il y avait François Gèze, il y avait Annie Messili, il y avait José Garçon, il y avait aussi Razi Hidoussi. Comment il va, Razi Hidoussi? Ça fait longtemps qu'on a eu de ces nouvelles. J'espère qu'il va bien. J'espère aussi. Oui. Lors de cette réunion, en tout cas, lorsqu'on l'a vu, il était bien portant, donc voilà, ça nous rassure. Oui. Et je salue aussi notre ami Boualem Hamadesh, qui a été vraiment... voilà. Et puis, il y a aussi des étudiants... Hamadesh est toujours dans le FFS? Boualem Hamadesh? Oui. Il est, disons, qu'il agit toujours pour les causes démocratiques. Voilà. Très bien, donc, très bien. Donc, et les étudiants aussi de Jussieu. Oui. Notre ami Sofiane, qui est à la chaîne aussi, oui. Parmi eux. Oui. Donc, lors de cet hommage qui a été rendu à Ali Messili, il y a eu l'idée qui a émergé de rééditer le livre pour le trentenaire. Et la réédition du livre, en fait, elle répond à un devoir. C'est ce qui a été exprimé dans la préface de Hussein Eid. Justement, je lis ici préface inédite, oui, de l'auteur. Oui. Auteur qui n'est autre que M. Hussein Eid Ahmed. Oui. Oui, alors dites-nous. Donc, pourquoi elle est inédite d'abord? En fait, elle a été faite en 2007, la préface. Et alors pourquoi? Elle a été faite, mais elle n'a pas été éditée. Attendez. Oui. Donc, c'était la réédition de 2007. Donc, il y a eu une première réédition en 89. Oui. Ensuite, il y a eu la réédition de 2007. Et maintenant, il y a une autre réédition en 2017. Donc, cette réédition répond à ce que Hussein Eid Ahmed lui-même a exprimé dans cette préface, à la nécessité de rendre Ali Messili à son histoire et de le rendre aux Algériens. Donc, et ça, il le dit en 2007. Donc, c'est très important. Et deuxièmement, c'est aussi, il s'agit aussi de traiter avec le plus grand respect de la vérité des événements majeurs de l'histoire de l'Algérie. Lui-même, c'est ce qu'il dit dans cette préface, il dit le passé est nécessaire pour comprendre le présent et pour prévenir l'anéantissement de l'avenir. C'est dans cet esprit-là que Hussein Eid Ahmed a écrit la préface de la réédition de 2007. C'est dans cet esprit-là que cette réédition a été faite, et c'est dans cet esprit-là aussi que la réédition de 2017 a été faite. Un deuxième élément, c'est ce qui a été exprimé d'une façon très, très précise par José Garçon hier. José Garçon, qui est une journaliste très estimée des Algériens. Oui. Pendant la décennie rouge, elle fut l'une des rares journalistes, oui, à avoir dit ce qu'il en était vraiment. Elle a su aller au-delà des lignes, si on peut dire, oui, pour dévoiler la tragédie telle qu'elle s'était vraiment produite. Elle fut l'une des rares qui ont parlé du terrorisme pédagogique, ça veut dire de l'utilisation, oui, des islamistes, uh-huh, maison ou des islamistes à leur insu, contre la population. Uh-huh. Et elle a suggéré et dit presque clairement, elle a désigné, j'allais dire, presque clairement ceux qui étaient derrière. Oui. En fait, dans José Garçon, ce qu'il avait dit, il travaillait à Libération. Libération. Voilà. Donc, ce qu'il avait dit hier, c'est que il y avait un problème. Rendre la mémoire d'Ali Messili à l'histoire algérienne, c'était plus qu'un devoir politique. Il y avait le devoir de l'homme vis-à-vis de son ami, de son camarade, de son frère de lutte. Il y avait le devoir d'amitié. Il y avait le devoir aussi politique, de pédagogie politique. Et il y avait autre chose aussi. C'est qu'en 89, quand Eid Ahmed a édité le livre, pour lui, il n'était pas question que l'on se dise
qu'il était rentré en Algérie en 89 après avoir vendu la mémoire d'Ali Messili. Et ça, comme l'explique José Garçon, ça n'a pas été mis en relief. Très bien. Alors, nous allons recevoir, galanterie oblige, d'abord Malika Matoub. Merci d'être avec nous, Malika. Bonsoir. Bonsoir, Malika. Alors, voilà, donc encore un anniversaire de la disparition, ou plutôt de l'assassinat de votre frère. Quoi de nouveau? Est-ce que nous devrons nous résigner à ne jamais savoir la vérité sur ce qui s'est passé? Écoutez, c'est-à-dire l'appareil judiciaire, elle est toujours silencieuse, comme d'habitude. Mais nous, il y a un rebondissement de la part de la famille. Nous avons lancé une pétition le 25 juin pour que ce dossier soit ouvert. Et c'est une pétition qui va pratiquement sillonner toute la Kabylie, toute l'Algérie. Et là-dessus, après, si les pouvoirs publics ne répondent pas, nous envisageons d'autres actions. Mais Malika, est-ce que vous avez remarqué, comme moi, je présume que vous avez dû le remarquer mieux que moi, que Matoub semble être définitivement sorti des frontières de la Kabylie, puisqu'aujourd'hui, son cas est pris à bras-le-corps par de très nombreux jeunes Algériens aux quatre coins du pays. Tout le monde en parle maintenant. Tout à fait. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y avait un omerta sur Matoub Lounès pour qu'il soit exclusivement... ghettoisé, j'allais dire. Confiné. Ouais. Au niveau de la Kabylie. Mais son message, c'est un message qui est universel. Quand un homme prêche la liberté, la justice, quand il dénonce les passe-droits, le pouvoir, etc., je crois que le reste des Algériens sont concernés par cela. Et au jour d'aujourd'hui, à la Fondation Matoub, nous recevons des gens qui viennent des quatre coins du pays, et ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est comprendre ces textes, son engagement, et de plus en plus, il y a une adhésion. Malika, aujourd'hui, nous traitons donc de ces trois grands disparus ensemble. Les trois ont été assassinés par le régime, on est bien d'accord. Est-ce que votre religion est faite sur ce point? Tout à fait. Tout à fait, c'est un assassinat politique, c'est le régime qui les a assassinés, les trois. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que depuis 19 ans, que nous n'arrêtons pas de ressasser et de demander à ce que justice lui soit rendue, et il y a un silence de la part des autorités. Restez avec nous, Malika Matoub. Nasser Boudiaf, vous êtes avec nous. Merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Marhaba bik. Wa yitlmak. Nasser, alors, j'ai lu sur votre page Facebook et un peu partout, d'ailleurs ça a été repris un peu partout, une lettre de vous très émouvante que vous écrivez à votre père, où vous lui demandez pardon, de ne pas aller plus avant, de ne pas poursuivre votre quête de vérité, parce que vous n'avez rien pu faire et que, selon vous, la vérité n'éclatera jamais. Non, j'ai dit que c'est vrai que j'ai demandé pardon à mon père hier à la LR pour ce 25e anniversaire, simplement parce que l'Algérie qu'elle a toujours eu au cœur est aujourd'hui en danger. Et parce qu'elle est en danger, donc j'ai décidé de laisser le sort de tes lâches assassins à la justice de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas plus grand que ça. À la justice de Dieu. Mais si c'était le cas, Nasser Boudiaf, si tout le monde laissait la justice à Dieu seul, nous reviendrions à la jungle. Chacun aurait le droit d'exécuter son ennemi sans autre forme de procès. Non, ça ne veut pas dire que je ne cherche pas la vérité, bien au contraire.
Mais comme je vois que ça fait depuis 25 ans quand même que Bouyaf a été assassiné, et depuis 25 ans, on est en train de courir derrière cette vérité. On a mis des noms, si vous vous souvenez, l'année dernière, sur les assassins de Bouyaf. Personne n'a réagi. Il y a quelques mois de ça, l'ancien ministre des Affaires religieuses, Ouamala, a déclaré que les gens qui ont ramené Bouyaf, c'est eux qui sont derrière leur assassinat. La justice n'a pas bougé, alors qu'en principe, elle doit s'autosaisir. Donc je me suis dit qu'ils sont en train de nous tourner en dérision, ces gens-là, parce que c'est des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils ont tué 250 000 personnes, donc vous avez une idée sur ces personnes, c'est des criminels. Donc je me suis dit, on va s'occuper d'abord de ce pays qui est vraiment en danger, parce que ce pays aujourd'hui, il est dirigé par procuration, et ça c'est grave. Ça c'est Mais très grave. Nasser, tous les Algériens savent, hein, c'est un secret de Polichinelle, ça veut dire, tous les Algériens savent que ce n'est même pas la peine de rechercher les coupables, puisque tous, sans aucune exception, sont coupables. Tous les barons du régime qui étaient à la tête du pays à ce moment-là étaient impliqués, si ce n'est directement pour avoir pris la décision, du moins pour avoir donné leur consentement de façon tacite, du moins d'avoir fait semblant de regarder ailleurs, mais il y avait un véritable deal entre tous les tenants du pouvoir, tous les décideurs, sans aucune exception, pour mettre fin à la vie de Mohamed Bouzaïaf, parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait été trompé, qu'on l'avait ramené pour couvrir de sa stature, de sa noble stature, le cafouillage qui se passait derrière, à l'arrière-boutique, de gens qui avaient pris, gardé le pouvoir par l'assassinat de dizaines de milliers de gens, juste pour le garder, le pouvoir. Tout le monde le sait, Nasser Bouzaïaf. Oui, c'est vrai que la preuve, quand on commémore son anniversaire, personne, je dis bien personne, ne vient. Alors que Bouddha, ce n'est pas n'importe qui. Nous Bouddha a une allons, histoire par Nasser Bouzaïaf, rapport à ces restez avec gens-là, à nous. ces Nous allons milices. montrer quelques images de l'assassinat de Si Mohamed Bouzaïaf, Rabbi Rahmo, et nous continuerons la discussion. الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام Exécution en public sous les yeux du monde entier, pas seulement des Algériens, du monde entier. Et comme le président Bouzaïaf n'est pas mort sur le coup, ils ont demandé à l'ambulance de ne pas l'emmener directement à l'hôpital, mais de tourner dans la ville pendant 1 heure. Sofiane Schwitter, merci d'être avec nous depuis le Canada. Sofiane. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Eid Mobarak, Sofiane. Alors, Sofiane Chouita, Mohamed Bouzaïaf, Louennès Maatoub, Ali Msili, trois grandes figures algériennes qui ont été assassinées par le régime, cela ne fait aucun doute, aucun doute. D'ailleurs, nous parlerons après de l'affaire Msili, c'est plus que ça, c'est exécuté par le régime avec la complicité d'un État étranger. Nous allons en parler avec Hassan. Mais sinon, Sofiane Chouiter, vous, en tant qu'avocat, expert en justice transitionnelle, est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne de façon claire? Est-ce que les assassins sont définitivement tirés d'affaire? Est-ce que nous ne pourrons jamais faire la vérité sur ces assassinats et poursuivre les criminels? Bon, premièrement, il faut les assassinats, ce genre d'assassinats politiques, on peut les qualifier comme des crimes de droit commun.
Malheureusement, ils n'ont pas été commises dans un cadre généralisé d'attaque contre la population civile pour qu'on puisse les qualifier de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre ou même de crimes de génocide. Donc, en conséquence, ils sont soumis à des règles spécifiques qui s'appliquent à tous les crimes de droit commun comme la prescription. Généralement, ça ne passe pas beaucoup pour ces trois exemples, puisqu'on présume qu'il y a des poursuites judiciaires contre des présumés auteurs pour le cas de Mohamed Bobiat Layahmou, le cas de Martoub Lounet Layahmou. Il y a des présumés auteurs qui ont été déjà condamnés par la justice. Est-ce que la famille sont satisfaits, l'opinion publique est satisfaite de ce résultat, ou il est considéré comme des boucs émissaires, ou que la vérité n'a pas été dévoilée. Reste le cas pour Alim Sidi aussi, là, pour l'instant, il y a, même s'il y a une instruction judiciaire ouverte en France, mais on n'a pas encore déterminé, identifié. Oui, mais Sofiane Schwitter, pour le cas de Alim Sidi, son assassin est connu. Nous allons parler tout à l'heure avec Hassan. Son assassin est connu. Il a été exfiltré de France vers l'Algérie, ça veut dire au lieu de le traduire en justice ici, le lieu où il a commis son assassinat, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Charles Pasqua, l'a expulsé vers l'Algérie, ça veut dire l'a renvoyé vers les commanditaires. Et la preuve, c'est que ce monsieur, une fois arrivé en Algérie, il a bénéficié de tout le luxe qu'il voulait, villa, pension, protection, et il vit jusqu'à aujourd'hui à l'abri, protégé. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité justement de lui demander des comptes, puisqu'il est encore vivant, ce monsieur? En tout cas, officiellement, il n'a pas été accusé par le parquet en France. Il y a une ouverture de l'action publique pour l'assassinat de Alim Sidi. On a vu qu'il y avait le petit problème avec l'ancien directeur du service de protocole du ministère des Affaires étrangères, Hassani Abidi, un amalgame, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce... Oui, là aussi, l'histoire a été escamotée. On connaît l'histoire de Hassani. Exactement, mais officiellement, la justice française n'a pas accusé cette personne qui a été extradée. Non, mais on ne parle pas de Hassani, hein. On parle de Oumalou. Non, je parle Oumalou. Au même moment, c'est pendant la période là où il y a eu l'assassinat. Quelques jours ou quelques semaines après l'assassinat de Alim Sidi, oui. Qui a été actuellement la justice française n'a pas accusé pour demander l'extradition de cette personne parce que le crime a été commis sur le territoire français, même s'il y a des dispositions dans le droit algérien qui interdisent d'extrader des ressortissants algériens, mais en principe il peut être poursuivi par la justice algérienne. Mais ça n'a pas été le cas. Il n'a même pas été entendu, le monsieur. Une fois qu'il a débarqué sur le sol algérien, il a disparu de la circulation. Il a été mis sous la protection de la ASM de l'époque. Et on n'a plus entendu parler de lui, sauf une photo qui est apparue il y a 2 ou 3 ans, je crois, le montrant dans une villa au bord de mer. Là, nous sommes devant un État. Le droit est très limité au moment où nous sommes dans un État de non-droit. L'Algérie, on n'a pas une justice indépendante, c'est un régime autoritaire dictatorial. C'est le régime lui-même qui est derrière ses assassinats politiques. Donc, avec ce régime, il n'y aura jamais une possibilité qu'il y aura une justice pour ces crimes-là. Je pense qu'il faut attendre, je ne sais pas quand, mais il faut attendre le changement de régime pour qu'il puisse, il y aura un processus de justice transitionnelle ou la mise en place d'une commission vérité qui sera chargée d'élucider tous les cas, comme ça a été le cas au Maroc, même si la commission de vérité et réconciliation. Et depuis peu, en Tunisie aussi. Oui, là je parle de Maroc parce qu'il y avait le cas de Mehdi Ben Barka, mais oui. qui a été oui.
Malheureusement que la commission, à ce moment-là, elle avait un pouvoir très, très limité, n'a pas pu décider, même rien qu'elle a fait des recommandations au gouvernement pour poursuivre l'enquête. Restez donc, avec nous, M. Schmitter. Je reviens à vous dans un moment. Hassan Dossef, nous allons voir quelques images d'une déclaration de Halim Sidi, puis je reviens à vous avec une question précise. D'accord. C'était une écriture officielle. Et pour reprendre un mot de Haït Ahmed, on a considéré que la police et le parti avaient fait une véritable descente sur l'histoire, puisque eux seuls étaient maintenant autorisés à dire l'histoire de notre pays. Donc la présence ici du représentant du PPA est pour moi plus qu'un symbole, puisque nous nous tournons maintenant vers l'avenir et qu'il y a lieu d'associer pour cet avenir, toutes les forces politiques du pays, sans aucune exclusive. Et lorsque nous disons cela, c'est parce que nous croyons également à un principe qui doit guider totalement notre action. Il n'est pas question pour nous de se fondre dans un seul parti. Il n'est pas question pour nous, pour l'instant, encore de parler même de front uni. Nous disons que la pluralité d'aujourd'hui est la garantie de la pluralité de demain. Hassan Lossif, le régime algérien, comme pour Khader, comme pour Karim Belkacem, Halim Sidi et d'autres, a toujours fait appel à de la basse mafia, à des proxénètes, à des tueurs sur contrat. C'est le cas de Halim Sidi, ils ont fait appel à Amalou, une petite frappe, un voyou, qui il a assassiné, il a été appréhendé par la police française. Mmh. Il y avait des preuves de son implication. Et au lieu de le traduire en justice, il a été exfiltré vers l'Algérie. Expliquez-nous un peu cette façon de faire. Incroyable façon de faire. En fait, comme l'explique un petit peu, enfin, de façon magistrale, Hussein Haït Ahmed dans sa préface, l'assassinat politique ciblé est un mode de règlement de conflits au sein du régime, depuis ce que vous appelez vous-même, Sidi Jamal Din, le crime fondateur de Abban al-Rahman. Oui. Donc, concernant l'affaire Messidi, je rappelle juste une chose, c'est que Abdelmalek Amlou, il n'a pas été recruté juste pour cette affaire-là. C'est quelqu'un de structurellement lié à l'ASM. Donc, à l'époque, il a bénéficié d'un contrat de 800 000 francs, l'équivalent à peu près de 80 millions de centimes d'avant. Voilà. C'est une somme énorme. Voilà, 122 000 euros pour la valeur actuelle. C'est en termes de ce contrat qu'il a été convenu de l'assassinat d'Ali Messidi. Ça veut dire que c'est un vrai contrat mafieux. Un contrat mafieux avec, qui a été avec un ordre de mission. Qui il a est été... venu de là-bas. Oui. Ah, il ne résidait pas en Algérie. En France. Non, Abdelmalek Amlou aussi, oui. Résidait en France. Il résidait en France. Ah, d'accord. Il a eu un ordre de mission de circuler dans les zones militaires signées par la sécurité militaire. Les zones militaires en Algérie. Oui. Ah bon, hein? Oui. D'accord. Il était protégé. C'est-à-dire qu'il était structuré. Bien sûr. Il était structuré, il était protégé. Et puis, normalement, quand on parle d'émettre un mandat d'arrêt international contre MLO, il y a des éléments qui justifieraient ce mandat d'arrêt. Mais seulement. Dès les premiers jours, dès les premières heures suivant l'assassinat de Halim Sidi, le 7 avril, rappelons-le, 87, Charles Pasqua appelle l'ambassadeur d'Algérie en France de l'époque. Il lui dit, il le rassure que l'Algérie n'avait rien à voir dans cette affaire. Vous voyez. C'est incroyable. Et quelques heures après, ou bien je ne me rappelle pas bien,
Il y a eu la réponse de Bachir Louis, qui était ministre de l'Information, qui disait que l'Algérie n'avait rien à voir dans cette affaire. D'accord. Donc les deux raisons d'État ont agi. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à construire l'impunité autour de cette affaire. Et justement, il y a une formule qu'a utilisée François Gez hier à la rencontre qui a été organisée au Paris 17e, aux librairies, librairie Résistance. Il a dit que, il a défini, de façon très, très, d'une belle façon, la condition historique, le piège historique dans lequel se retrouvent la France et l'Algérie. Il a dit que l'Algérie avait la maladie de la France et la France avait la maladie de l'Algérie. C'est-à-dire que les deux pays sont vraiment, ils se sont enlisés dans la condition historique de l'ancien colonisé et de l'ancien colonisateur. Et dans cette, il y a un élément qui a été évoqué dans la préface de Husseinat Ahmed, c'est la puissance du mythe de l'Algérie révolutionnaire, qui a, pendant un moment, trop longtemps d'ailleurs, empêché l'émergence de toute critique à l'égard du fonctionnement du régime. L'autre élément... Qui se cachait derrière la légitimité historique. Voilà. Et révolutionnaire. Voilà. L'autre élément, c'est celui vraiment formulé par Achille Mbembe, l'intellectuel africain Achille Mbembe, c'est le syndrome postcolonial. Donc, ces deux éléments-là ont agi en Algérie. Mais Hassan, oui? Moi j'entends bien ce que vous me dites. Oui. J'y souscris totalement. Mm-hmm. Sauf qu'en l'occurrence, oui, ce monsieur Amalou a été convaincu d'avoir assassiné. Bon, il reste présumé innocent tant qu'il n'est pas passé en justice. Mais tout le faisceau de présomption indiquait clairement que c'était lui. Le ministre, oui, d'Intérieur, oui, avait la possibilité de le déférer en justice. C'est tout. Oui. Ça veut dire de le présenter à la justice. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'expulse. Il n'a pas le droit. Le crime a été commis en France. Il n'a pas le droit de l'expulser. Le droit français lui, oui, interdit d'expulser quelqu'un qui vient de commettre un crime sur le territoire français. Ah oui, or, lui, qu'est-ce qu'il fait, ouais. Il le renvoie à ses commanditaires et on n'en parle plus. C'est ça le piège historique de l'Algérie de la France. Oui. Justement que c'est... quand on voit un petit peu l'histoire des deux pays, on remonte à la colonisation, vous voyez. Et quand on voit, par exemple, l'évolution du régime algérien depuis l'indépendance et comment que le phénomène de corruption de la classe politique française avec l'argent, avec tous les liens qui ont été tissés. Et aussi ce n'est pas, oui, toujours la raison d'État. Ça veut dire, oui, que derrière la raison d'État, il y a aussi des intérêts personnels. Bien sûr. De politiciens français qui étaient arrosés par dont les campagnes électorales étaient financées. Oui. Il faut le dire. Hein. Ben oui. Il y a aussi des liens très, 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 très forts qui ont été tissés entre les deux, services. Les deux services. On en sait donc, quelque chose. Et voilà. Les deux services qui ont profité pour faire des affaires. Oui. Pour leurs enfants. Bien sûr. Nous connaissons des cas. Bien sûr. Chiffrés avec des preuves, des arguments. Bien sûr. Et puis, et pourtant, il y a quand même des éléments matériels qui justifieraient l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Abdelmalek Mellou. On l'expulse. On l'a expulsé, mais il y a eu un non-lieu. Un non-lieu ici? Oui, dans l'affaire Messini. Ah bon? Ben oui. Il y a eu un non-lieu. Un non-lieu pour ce qui concerne Mellou? Pour ce qui concerne l'affaire Messini. Il y a un non-lieu. Un non-lieu, mais Ali Messini est mort. Oui. Dans un non-lieu contre celui qui a été accusé de l'avoir tué. Oui. Il y a eu un non-lieu qui a été prononcé ici à Paris. La famille Messili a fait un pouvoir de cassation. Et il a été confirmé, le non-lieu. Et maintenant, il compte saisir la Cour européenne. Mais ça ne nous étonne pas. Dès les premiers jours,
on le retrouve toujours dans la préface, la police et la justice ont agi contre la vérité. C'est clair. Alors, Malika Maatoub, avant de vous poser une question, nous allons écouter l'Ouednes, Rabbi Rahmo, rendre hommage à Mohamed Bobia. Malika Maatoub, un peu partout dans le monde où ont été commis de telles exactions, la vérité a toujours fini par éclater, un temps soit peu, sauf en Algérie. Rien, pas un seul cas, rien. Même quand il y a guerre des gangs, guerre des clans entre eux, ils donnent tout ce qu'on veut, sauf sur leurs crimes de sang. Est-ce que vous pensez que nous pourrons savoir un jour, même peut-être après leur mort, encore que la plupart d'entre eux ont déjà trépassé, ils ne sont plus là, ça veut dire qu'ils ne rendront pas compte de toutes les façons. Malika. Vous savez, tant qu'il y a des femmes et des hommes qui se battent pour que justice soit faite en Algérie, il y a de l'espoir. Et tant que les femmes continuent d'enfanter des hommes en Algérie, je crois qu'il y a espoir qu'on voit un jour la vérité connue. Pourquoi ? Parce que vous savez, il y a quelque chose de formidable, je vais vous le dire en kabyle, le mot vérité, tidet. En kabyle, on dit tidet. Oui. C'est un terme qui n'a pas de pluriel. C'est extraordinaire. Donc cette vérité, nous continuerons à la rechercher et en même temps nous allons l'inculquer à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, parce que je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Parce que hormis les trois personnalités qu'on cite, on peut citer aussi l'un des crimes politiques, c'est le crime de Hachani. Oui, c'est un crime politique. Oui. Et je voulais aussi... Qasdi Merbah, et bien d'autres, oui, en effet. Mais, tous ces gens-là... Sabani, mais il y en a tellement, ils n'ont pas répondu du crime d'un seul des grands héros qu'ils ont tués. Mais Malika, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que moi je m'en veux personnellement en tant qu'Algérien, et j'en veux à tous mes compatriotes, vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où on assassinait l'un après l'autre, ces grands hommes qui nous ont servi, qui nous ont donné leur vie, qui sont sacrifiés pour nous, qui ont fait de la prison, qui ont été torturés, qui en sont morts même, certains, beaucoup parmi eux. Ben ceux qui sont restés, qui sont opposés au régime corrompu qui a volé l'indépendance, pendant qu'ils les tuaient un par un ou qu'ils les poussaient à l'exil, nous on applaudissait. Quand ils nous disaient « ce sont des traîtres », on disait « oui, ce sont des traîtres ». C'est ça qui a renforcé l'injustice et qui a rendu encore plus forte cette soif peut-être de connaître enfin la vérité et demander pardon à ces gens que nous avons nous-mêmes abandonnés. Malheureusement aussi, on a une élite, c'est pas tous, il y a des cas,
Mais l'élite, c'est une élite qui est corrompue, c'est une élite qui est silencieuse. Elle regarde que ses propres intérêts. Vous savez, même concernant ces crimes politiques, on est éparpillés. Je vois Nasser Boudiaf, il se bat de son côté. Nous, on se bat de notre côté. Anime Sili se bat de son côté et d'autres et d'autres. Je crois que l'union fait la force. Il est temps, moi je lance un appel à toutes ces victimes qu'on puisse avoir un front uni. Parce que c'est des crimes, on sait par qui les a perpétrés, donc c'est à nous aussi de nous organiser. Nous avons, nous aussi, étant que parents de victimes, une part de responsabilité. Nous avons aussi, pour faire face à un régime qui est totalitaire, nous aussi, il faut qu'on fasse bloc et que ces martyrs puissent avoir un jour la vérité et la justice. Parce que chez nous, Amiya, on dit que, vous savez, tant qu'ils n'ont pas été, c'est-à-dire la justice n'a pas été faite, ils ne se reposent pas en paix. Restez avec nous, Malika. Nasser Boudiaf, vous êtes avec nous, Nasser. Nasser, est-ce que Nasser Boudiaf est avec nous? Nasser Boudiaf, oui, je vous écoute. Très bien. Nasser, nous savons tous l'immense estime qu'ont les Algériens pour Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou. C'est comme s'il était mort hier. Jusqu'à présent, les gens n'arrêtent pas de le saluer, de lui rendre hommage, de reconnaître tout ce qu'il a fait pour l'Algérie. Mais malgré ça, il n'y a pas une véritable mobilisation pour savoir, pour essayer de faire éclater la vérité. C'est vrai que nous le pleurons, c'est vrai que nous déplorons son assassinat, mais sans plus. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je rejoins ce qu'elle a dit Malika, je crois qu'elle a raison. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de s'unir faire une force. Moi, je pense que, mais vous savez, Jamel, le problème, c'est que j'en suis sûr qu'on saura la vérité quand ce système sera mis hors de l'avenir. Tant qu'il est au pouvoir, on ne saura jamais les vérités sur tous les assassinats. Parce que ils ont instauré l'impunité comme un système de gouvernance. Et ainsi de suite. Oui. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a un témoignage d'un ex-journaliste, le correspondant de l'histoire d'Algérie, Omar Touéki, qui était à Annaba en 92. Alors, son témoignage remet tout en cause, tout ce qui a été dit depuis 92, que l'assassin de Boudiaf, ce n'est pas Boumarafi. Ah le bon? Témoignage, c'est un témoignage unique. Il vient de sortir, je l'ai mis sur mon mur. Il a été enregistré par vous, maintenant. Vous pouvez le consulter. Et qu'est-ce qu'il dit au juste dites-nous, Nasser, parce que tout le monde n'a pas Facebook. Essayez de nous donner plus d'informations. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Ah ben, il dit que Boumarafi était à côté de lui et que l'assassin, parce que lui, il a vu l'assassin. C'est un témoin oculaire. L'assassin était habillé en civil. Et ça, c'est un détail qui nous a échappé. Moi, j'ai son témoignage sur le journal Le Soir d'Algérie en 92. Il a écrit noir sur blanc que le tueur était habillé en civil. Il n'était pas habillé en tenue militaire. Donc, Boumarafi était à côté de lui. Et le type, il le dit, je le répète. Boumarafi n'est pas l'assassin de Boudiaf. Ça, c'est très important. C'est une information très, très importante. Et ensuite, il enchaîne le lien avec Ibsah. Pourquoi Ibsah a été assassiné? Pourquoi Merzah a été assassiné? Ibsah était rédacteur en chef ce jour-là, ce funeste jour. Et la cassette, lui, il a vu le tueur. Moi, je demande aux historiens, aux enquêteurs, aux journalistes, aux magistrats d'interroger ce document par les voies de l'analyse, de la reconstitution, de la comparaison et de la déduction. Parce qu'il est très, très important. Parce que toute leur thèse, elle est tombée. Nasser Boudiaf, nous essaierons de revenir sur ces nouvelles informations dans les jours qui suivent. Mais sinon, je voulais vous poser une question personnelle. Vous êtes porté candidat aux législatives il y a peu.
Vous n'avez pas pu réunir suffisamment de signatures, donc vous n'avez pas pu vous présenter finalement. Mais Nasser Bodiev, au moment où vous avez manifesté votre intention de vous présenter, vous ne vous êtes pas dit que ces gens ne vous laisseront jamais passer, qu'ils ne laisseront pas le fils de Bodiev être au cœur d'une tribune officielle d'où il pourrait lancer des messages qui seraient autrement plus entendus sur un plan légal? Vous n'avez pas imaginé qu'ils ne vous laisseraient pas passer de toutes les façons, même si vous aviez eu des signatures? Si Jamel, d'abord, une élection comme ça, on ne prépare pas un mois, on prépare une année. Donc moi, je me suis engouffré. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est très simple. Je voulais donner un coup de main à Rachid Mekaz. J'ai vu qu'il bougeait, qu'il dénonçait et tout. Je voulais l'aider. Je suis parti de ce principe-là. Et après, c'est pas une question d'avoir les voix ou non. J'ai constaté une chose sur le terrain, et ça, c'est une très bonne expérience pour moi, c'est que les gens ne votent pas. Tous les gens qui sont venus me signer les formulaires, on m'a dit, non, ça, on n'a jamais voté. C'est la première fois qu'on vient, parce qu'on te fait confiance. Ça, c'est très important. Oui. Les Algériens, je parle des Algérois, ils ne votent pas. Donc les chiffres qu'ils nous donnent, elles sont complètement fausses. Mais moi, 20 jours après, je me suis retiré, j'ai fait un communiqué, le Khabar l'a publié, j'ai expliqué pourquoi je me suis retiré. C'est pas une question de voir ou pas de voir. Une élection, ça se prépare pas en moi. Merci Nasser Bodiev. Restez avec nous. Sofiane Chouetter, d'après vous, vous qui êtes au cœur de ces questions, qui connaissez très bien Vérité et Justice, les opérations Vérité et Justice en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, qui savaient un peu les rouages de la justice internationale, des cours pénales internationales. Est-ce que vous croyez qu'il y a une chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir poursuivre enfin ces gens et de faire éclater la vérité? Dites-nous de façon concrète qu'on puisse comprendre. Écoutez, Jamel Abdine, je n'ai pas la prophétie pour dire si le régime va continuer ou va tomber, mais en tous les cas, la nature d'un processus de justice transitionnelle, elle est intimement liée à la nature de la transition qu'on va connaître. Généralement, il y a deux sortes de transitions politiques. Il y a la transition négociée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le régime il est soumis à des pressions énormes, soit au plan interne ou au plan international, et qu'il est arrivé à la conclusion qu'il faut qu'il se retire de la gestion des affaires publiques. Alors, généralement, il va entreprendre des négociations avec les forces d'opposition, les forces civiles. Et généralement, dans les négociations, c'est toujours qu'il y aura un marchandage. Et le premier marchandage, c'est la justice, qu'elle sera la première victime. Donc il faut qu'il cherche le régime à avoir des possibilités d'une immunité de poursuite, etc. On la connaît dans beaucoup de pays qui ont connu ce genre de transition, y compris qui ont connu le Chili, par exemple. Pinochet, au début, il a fait des négociations pour obtenir une certaine immunité des poursuites. Alors, l'autre nature de la transition, c'est que le régime tombe par une révolution ou par une intervention étrangère, etc. Et là, il n'a pas de donc le pouvoir, le nouveau pouvoir qui s'installe, il a une marge de manœuvre plus large. Donc, il peut imposer sa vision de justice. Donc, ça dépend de la nature de la transition qu'on va connaître. Tu vois, s'il y aura effectivement une transition politique, tu vois. Mais en principe, au fur et à mesure. Ce que je conseille toujours, j'ai toujours conseillé les victimes de violations des droits humains, dans l'attente d'une solution à notre problème, je pense qu'il faut faire un travail professionnel. Hein. Je souligne sur ce mot, un travail professionnel de recueil des preuves. Voilà. On a assez perdu, je pense, je ne parle pas des cas des familles des disparus, où on a fait de bon travail. Mais comment faire ce travail? Comment, à qui le confier? Par quels moyens? Sous quelle tutelle? Comment le faire? Ce travail professionnel de recherche de la vérité. Oui, il faut faire un travail discret. Hein.
il ne faut jamais montrer que j'ai un travail de recueil des preuves. Parce que tu vas mettre d'un côté les chercheurs, les enquêteurs en situation de danger, tu peux mettre les témoins éventuellement dans une situation d'insécurité, etc. Donc il faut faire un travail, il faut avoir une stratégie d'enquête, donc détraitement, par une équipe professionnelle un peu formée, des avocats, et d'essayer de recueillir des preuves, des documents, des témoignages. Les témoignages, il ne suffit pas qu'un ancien ministre dise que Jabour Katlo, ça veut dire que c'est un témoignage qui peut être utilisé devant les tribunaux. Hein. C'est bas, ça n'a aucun sens. Donc, quand on recueille des témoignages, il faut les critiquer, ces témoignages. Est-ce qu'elle est corroborée par des faits identifiés? Donc, moi, je rejoins ce que Malik a dit, il faut s'unir toutes les familles des victimes, de s'unir dans un tronc, dans une structure. Mais moi, j'adresse aussi qu'il faut faire. Parce qu'on a fait un travail politique, ils ont fait un travail politique. Hein. On a dénoncé, on a fait de la publicité sur ce genre d'assassinat, mais je ne sais pas s'il y avait un travail d'essai, mais un travail de recueil. Parce qu'au moins, si un jour il y aura un changement de régime et qu'il y aura une instance de vérité, au moins, on a déjà recueilli des preuves, parce qu'avec le temps, vous savez, avec le temps, il y a des témoins qui peuvent mourir, il y a des témoins qui peuvent oublier des scènes, qui n'ont pas documenté leur témoignage par écrit, par des vidéos, par des instruments, que peut-être il y a des documents qui vont être détruits avec intention ou sans intention, etc. Tu vois. Donc, c'est un moment aussi de profiter, d'essayer de recueillir le maximum de documents, de preuves, au moins pour préparer la prochaine génération. Merci Sofiane Schwitter. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Vous laissez un peu de temps pour répondre à une question importante. Puis je donnerai le mot de la fin à Malika Matoub pour une question importante que je lui ai posée. Alors, Hassan, oui, selon vous, quelle doit être la feuille de route de tous les Algériens, oui, épris vérité, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire éclater enfin la vérité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, nous devons nous inscrire dans la durée, parce que c'est un combat qui va pas, qui va être très lent, qui va durer longtemps. Premièrement, il s'agit de restituer la mémoire de ces victimes. Il y a un livre, par exemple, ici, l'affaire Missili, il faut le diffuser, il faut le faire connaître, il faut que les Algériens le lisent. Je rappelle que c'est la maison La Découverte, la maison d'édition La Découverte. Voilà, ouais. Il a été réédité, il faut le faire connaître, il faut que les Algériens, il faut que chaque foyer algérien ait ce livre pour le lire. Il faut qu'il ait un livre sur l'assassinat, l'affaire Maatoub Lounès pour le lire. Il faut qu'il ait un livre sur Mohamed Bourdieff, l'assassinat de Mohamed Bourdieff, pour le lire. Et ensuite... Et tous les autres victimes du régime, Chabani, voilà, Baramdan, Krim Belkacem, Khedr... Des témoignages bien etc. étayés, oui, comme l'a fait aussi Tariq Khedr, oui, par rapport à son père. Il faut faire connaître ce témoignage. Absolument. Il faut faire aussi un travail d'éducation politique. Parce que l'un des impératifs pour lesquels Hussine Aït Hamed a écrit ce livre, c'est l'impératif de l'éducation politique. Et aussi, il faut aller sur le terrain de la lutte, créer des ONG, justement prendre en charge ces questions, ces assassinats, et essayer de mener le combat sur le plan juridique. C'est ce que nous sommes en train de faire, même si je ne suis pas mandaté à parler de notre ONG, c'est le Forum international pour la justice et les droits de l'homme. Nous avons une assemblée générale demain pour finaliser les commissions et tout. C'est une ONG qui est présidée par notre ami Ali Edjoudi, voilà, dans laquelle on retrouve Saïd Akni, dont on retrouve Tahar Sisselir, Boukhalfa Ben Mamart. Nous nous sommes engagés pour mener le combat sur ce terrain-là des droits de l'homme. Et puis voilà, c'est un engagement de toute une vie.
Parce que pour nous, il s'agit de continuer à d'abord défendre la mémoire de ces victimes et leur combat aussi. Merci, Hassan Loussef. Malika Mahtoub, vous êtes avec nous, Malika. Malika ? Oui, oui, je vous entends. Alors, vous savez, cette émission m'a, j'allais dire, m'a suggéré quelque chose, m'a laissé rêver, m'a transporté. Vous savez ce que j'ai imaginé ? J'imaginais que toutes les familles, de toutes les victimes de ce régime, toutes les familles de toutes les victimes, décident de s'unir, de faire front et d'exiger, non pas de demander, d'exiger que la vérité sur la disparition des leurs soit faite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est de l'utopie ? Du tout, c'est pas de l'utopie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que l'union fait la force. Il faut qu'on arrive à unir nos forces et je crois que c'est le seul moyen pour y arriver. Parce que chacun de nous doit apporter la pierre à l'édifice. De la manière dont nous agissons, c'est-à-dire chacun de son côté, on s'épuise. Et le résultat est toujours le même. Il n'y a ni vérité, ni justice. Merci beaucoup. Merci Nadia Mahtoub. Merci infiniment. Merci Hassan Loussef. Merci Nasser Boudiaf. Et merci Sofiane Chouiter. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawla khair, bislama.